Bonjour, donc voilà le distillateur Vévor en route. Donc ça fait à peu près un peu plus d'une heure qu'il tourne. J'ai vidé la première eau là, il y avait un petit peu moins que ça, donc là l'eau maintenant là à ce niveau-là, sur une heure, donc normalement c'est 1 litre par heure, hein, donc voilà. Donc le bouton reset, c'est en fait c'est en cas de surchauffe ou quoi que ce soit, donc il sert à ça, hein, normalement. Donc c'est une sécurité, apparemment. Donc là le ventilateur déclenche bien. Alors ça chauffe bien au-dessus, hein. On sent bien la chaleur. Alors je pense que l'hiver ça doit être pas mal parce que ça vous sert de radiateur, hein. Ça peut servir pour chauffer la pièce, puisque ça souffle quand même assez chaud, hein. Donc ça serait pas mal. Hein, l'hiver, l'été c'est moins bien forcément, peut-être le mettre à l'extérieur, hein, pour éviter de chauffer l'intérieur de la maison. Sinon on voit que ça coule, voilà, on voit que ça coule goutte à goutte. Enfin, goutte à goutte, quand même, assez vite, quand même. Voilà, donc on sent rien, absolument rien. On verra bien par la suite quel goût qu'elle peut avoir. Et puis, comment ça va aller dans le café, par exemple. Donc, on va bien voir. Donc, voilà, première. On voit la suite. Je reprends pour la suite, hein, pour voir ce qu'il y a dedans une fois que c'est terminé. Le calcaire qui reste sur 4 litres. J'ai mis 4 litres d'eau. De l'eau qui sort du robinet mais qui passe par un charbon actif, une cartouche de charbon que j'ai changé il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 ou 3 mois. Donc, et on verra ce qui en sort. Hein. Donc voilà, les résidus de calcaire, surtout de calcaire. Donc après on verra aussi le pH et on mettra une bandelette dedans pour voir comment ça sort. Alors à mon avis, bon, de l'eau pure, c'est de l'eau pure. Normalement, il ne doit pas avoir de problème de quoi que ce soit d'autre là-dedans. Voilà. Donc je vous reprends pour la suite une fois que c'est terminé. Allez, à plus. Bon, donc voilà. Une fois distillé, donc 4 litres d'eau, voilà ce qu'on obtient dans la cuve. Donc on voit le calcaire en grosse quantité sur les parois. Au fond, on voit du noir. Hein, c'est foncé, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et tout est entartré. Voilà. Et ça, c'est une fois, seulement que 4 litres d'eau. Hein. Donc j'ai distillé ça. Bien sûr, il en manque puisque j'ai déjà pris des verres pour faire du café et tout. Donc normalement, ça va jusque-là. Et il me reste ça. Donc voilà l'état de qu'on peut obtenir avec de l'eau qui est déjà filtrée. C'est de l'eau du robinet filtrée, hein, on est d'accord. Hein, ce n'est pas de l'eau directement du robinet sans filtre. Là, on passe par du charbon et tout. Donc on voit au fond, c'est terreux, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Crois que c'est du calcaire, non, c'est rien. Le calcaire, c'est blanc. Hein, donc voilà, on voit que c'est dégueulasse au fond. Donc ils vendent un petit, enfin, il est vendu avec un petit produit qu'on met dedans. Et on va laisser agir pour nettoyer ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour le distillateur. Hein, donc deuxième vidéo, on voit bien quand même que c'est efficace et tout ça, bah, c'est des choses qu'on boit. Voilà, on boit tout ça. Hein, ce calcaire, on boit ce qui est noir là, voilà, ce qui est dégueulasse, enfin marron plutôt. C'est plutôt marron. Hein, c'est plutôt marron que noir. Seulement dans 4 litres. Hein, imaginez sur des mois, des années. Hein. Donc, vous consommez de la saleté. Même si c'est pourtant filtré avant. Hein, donc, voilà. Ce qu'il faudrait, c'est faire le test avec de l'eau de source en bouteille. Puis, distiller de l'eau de source en bouteille pour voir si on obtient ça. Et si on obtient ça, c'est quand même quelque chose. Alors, peut-être que c'est des oligo-éléments qui font ces couleurs-là. J'en sais rien. Hein, mais bon, on voit bien que c'est quand même pas très propre. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça a mis à peu près 4 heures hein, pour faire donc distiller 4 litres d'eau. J'ai bu du café distillé. Du café, ben, il est très bon, il n'y a pas de problème. Hein. Alors par contre, on a l'impression que l'eau est plus chaude. Donc il faut attendre un peu avant de le boire, le café. Parce qu'il me semble plus chaud que si c'était uniquement sans distillation. Voilà ce que j'ai pu remarquer pour l'instant. Donc on verra par la suite ce que ça peut donner. Donc, je vous laisse. Allez, passez une bonne soirée et puis, ma foi, à la prochaine. Au revoir.